Mbote na balani na biso partout dans le monde kolo nzambe akoba toujours na kobate la rabino tozala na bolingo tolinga na biso ba congolais to telema na to sangana to sala liboke to koka kobundisa ba anti valeur oyo balingi ba bebisa mboka na biso balingi ba instaurer o babengi n peuple congolais ngana lobaka tambu ba étranger ba réussir ya ko tcha des ordres na mboka na biso ba première fortif eza biso. Tout ça, ma première fautif. Na ebi ke ba oba zola nanga ba retour nanga yi. Nenge nini biso ba kolomboka. Tokoma ba première fautif. Na ndenge ba étranger ba réussira ki ko dominer biso. Mala kopé sa bino exemple. Peuple congolais to lingani te. Mboka oyo manquement ya bolingo. Na mitema na biso. Il y a même des troubles, des troubles, des désolations. Namboka oyo koma Congola ko préféré na ye a privilégier étranger au détriment de son propre frère. Congola ko préféré na ye a pris sa valeur à rendre étranger plus riche que son propre frère. Comme exemple, on a pris Sabino. Na niveau ya poto kuna Congolais amena haine qui nous tient ma bête n'a pas qu'à papaya. Congolais a comme capable de retenir qu'on dénonce de qu'on aille Congolais n'a pas tout qui a ouvert dans la mikandate. Si quand on dénonce de qu'on a ouvert dans la mikandate, va refouler. Yo ce que on peut gagner ni. Bah n'a pas famille au bataille la caille. Yo au conseil la bamouni. On va bien qu'à un mal placé qui nous tient ma bête bouille pour n'aligne. Biso ba oh et le bas non. Au lieu de voir dans le palais, dans le bisso, tout ça va gêner. Tu peux profiter aussi de la vie. Au lieu de voir dans le palais, tu peux voir dans le palais, tu peux voir dans le palais, tu peux voir dans l'ambiance. Mais tu peux voir dans le sauver le cannabis. Au moins, tu as un petit courage. Tu peux voir dans le palais, tu peux voir dans le palais, un petit courage. Il y a quelqu'un qui s'adhère dans l'armée pour défendre le palais dans le palais. Biso tous allés qu'on défendre mboka na biso na nzela ba etando ikien. Mais au comment na mutu musu ça va ni na parler na ya lobia mboka o échanger te. Mboka échanger te. C'est que les gens pour ça qu'on échanger te. Peso ki amoni mutu a boti courage a teleni. Alobi na bunda pour na changement ya mboka na ngai. Okoyo ka kongola zo répondre que yo nani est-ce que vous voulez que même ton changer mboka oyo? Oh. Mais ceux qui ont gardé espoir, que Mboka peut changer, mais si vous avez un espoir que Mboka peut changer, dans la détermination, dans la commune, dans la accompagner chef de l'État, vous avez une déception, ça n'engage que toi. Quand vous avez un rabbi, 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 pour na bunda pour na mboka ngai so muta afinga na lobara e komama ngana nzoto te finga na yo ngai na ba commentaire comment no buzo ba si ngai menga na yebi engir et ça au rendre ngali susu plus efficace au motiver ngai au colle sa détermination na ngai pour na l'acheter na kineti suka engir ne ko décourager ngai te ba engir komama na ope na elongité Congolais. Au moins, on a eu courage, on a changé. Ma camouza n'a pas eu de le rôle a eu de courage, on a vanda tala. Ce que vous voyez, c'est que quand on a eu de l'ike, là, là. Mais si on a eu de courage, on a défendu les ténèbres à ma belle na bango. Congo appartient aux Congolais. Changement de mentalité, tout ça, on a bolingo. Congolais,
comme un niveau, à mon ami, qu'on a congolais à l'occasion de rien. Bah, on va finir à Rabisso, bon, finir à la bille, on ne comprend pas pourquoi vous se limitez à la Belgique. Je ne comprends pas, parce que ce total de l'ennemi, on va tout finir à la ma famille, n'a bille, Ndeko, on a réussi une vie, Banda Koubabi Touka, yo nous tout finir à Rabisso, et ça va gérer à bateau, au bon mine de Gonaïe, au bout de la bombe, Gonaïe. Au bois qui s'y bananaye, au bando de l'onango. Le roi a eu, il n'y a pas sa bombe, on a été au gérant, on a bien écoué. Mais le roi a mal à la famille, on a été toi, ma qui l'a morté. Moi, le canaï, exact, au soukanoura, la Belgique. Nakasa, il te moni, ba maman, ma ou, tu vas ou te qui koukoufa. Botala, ba congolais. Toi, c'est renseigné, ba maman, ba koufine. Oh, il paraît que ba chef coutumier, na elanga. Nous, les bêtis, oui, maman, bakoufi. Cause à na bango peuple, oui, bisous, les amis. Parce que ma maman, n'a pas allé juste na nyongo. Soit disant, ma chef coutumier, ma bêti, bango kaki, ma maman, n'a pas d'aïe. Soki, moutouza, n'a bon moui, au moins espoir à refouta nyongo na ouza. Si, comme moutou le boni, est-ce que espoir à refouta ou nyongo zali, parce que moui, y a fouta à nyongo te. Et bende, a fouta à nyongo te. Mais bonjour, pour ma bande de konabino. Bah M23, Monisco, bah rebel. Mais bino incapable ya kobuma bango ya kotinde ya bango ta kosu kosu ya pamba. Mais capable ya kobuma ndeko na oka juste pas na nyongo na yo. Tomona ba chef continue ba bima. Oh ba rebel M23 to pesi bino une semaine. To zemi une semaine. Deux semaines, to zemi deux semaines. Et pas ba rebel eh. Bo pesa bango ba une semaine, ba deux semaines. Mais ba rebel ba kufate. Bo sa bango le voter. Mais ba ndeko na bino bo pesa une semaine, deux semaines to ba rey kaka. Changement de mentalité, tout ça en abolingo. Merci beaucoup, Namouko Antombo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président des pères et des mères. Nafou Waro, si j'ai moko, ya maman Fifi Masuka, gouverneur Aï Yalualaba. Maman, biso bato, tokoumi saïki, tobeté la kyo mabouko. Mais soto moni, ça ne va pas dans l'Oualaba et Sengeli Toloba. Tout ça en abo dossier, Oezoya, maman Fifi Masuka, maman Fifi Masuka. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesa bato a pesa bango confiance ba trahira e. François Béa bomona Jean-Marc Kaboun bomoni Dieudonné Kaluba na cour constitutionnelle bomona mama sala musala pour intérêt ya mboka par rapport ba dossier na nango na obeta ngote mais na bika sala musala pour na mboka bato za na bango ba proche na yo mama nga na zolo ba balingi yo te. Biso toza bateau yo to denusala, so to monista nou va pa to betara. Toza la bateau ba yo la biso ba information ba dossier. Mais avant to beta dossier, et seigneur to verifie. Toza ba numéro ba proche na yo. Na otan na ba kombo te ba numéro ba miyebi. So ki to beli ba ngomba mon abiso ba tupamba. Mais ye ba na politique, moutou nyon sa za important. Ba koma le lende le fundu, ba mon abiso ba tupamba. Ata li ngo ye ba. Tant que je suis dans la maison, je vais vous faire une version. Silence radio. Je vais vous bloquer, même si je suis occupé. Oh, je suis occupé. Je vais vous faire une bonne chose. Si vous avez dit que vous rapport, vous mettez un étendue. Non, mon ami, vous avez parce qu'on doit vérifier les informations. On est censé de les vérifier. Et on est en train de vérifier la poche. Mais la poche, la ligne, tout le monde conduit une erreur. Mais le dossier, là. Je dois vérifier. Mais ma proche n'a pas l'ingiote. Plus 243, 89, 60, 77, 556, na tiki nan oubomo. Je dois d'abord vérifier avant na vanter les bois. Merci na moukwa tombo lo moua ama yuzubuwa binoumou. Pendant 18 ans, y a Hippolyte Kaname Kazemberi. Totika la komo na jamais izine y a raffinerie à or na mbo kanabiso. Chef de l'état zo construit na este na Bukavu. Na niveau ya Lualaba, izine y a raffinerie à kobat na kolezi. Travaux déjà ont commis déjà à 99,9%. Bientôt, ils allaient aussi là. Matière, on a besoin de tout bénéficier. C'est pour combattre. Bon, d'ailleurs, même, on a repris une révélation, mon roi. Hippolyte Kaname Kazemberi mérite d'être pendu.
mérite d'être fusillé, mérite d'être condamné à mort. Hippolyte Kaname Kazembe va détruire le Kanabiso sur tous les plans. Sur le plan diplomatique, économique, militaire, tout. Naturellement, on a trouvé que Hippolyte Kaname Kazembe a commis compétent sous régime Félix Tshisekedi. Mais Moutou a 3 ans à réaliser Bamakambo pendant 18 ans où Hippolyte a réalisé réaliser. Mais Moutou a bien incompétent. Un mal placé. Mais on a révélé Bino et Loko Moko. Malgré possession, on a par rapport à la position, à la richesse, à la Mabele Nabiso. Mais comment tu es allé sous Yabisoté? Combattre les Alaïs, Hippolyte Kaname Kazembe, dans ces différents gouvernements, Hippolyte n'appartient pas au Congo. Pourquoi? Parce que Hippolyte Kaname Kazembe et ses différents gouvernements ont vendu les combats congolais aux entreprises étrangères qui en ont le contrôle total. Et là, ils ont bénéficié. Dans le combat, ils ont bénéficié plutôt. Et là, le Congo a joué la production de combat. Ils ont mis la redevance minière. Hippolyte a été canalé, il y a eu comme production à Kobat Nabiso, ça a une redevance minière. Mais Kobat Nabiso, Hippolyte Kaname Kazembe, a été là une entreprise étrangère. Exemple, la propre Sabino. Jamais au Congo, na Katanga, un Congolais, na Zolo Baba Katanga Bouzali, un Congolais, oyo Azali, na société, à transformation, à Kobat, toi, y a plus vrai. Exacté. Azapete. Na katanga ba katanga bola na ngai. Jamais na katanga de mon un congolais zali na société à transformation ya kobat to ya cuivre. Ba matière na biso ba étranger ne ba comment bénéficier na yango. Un pays le plus riche du monde mais avec la population les plus pauvres du monde. Grâce ya Soriano Danyora et Hippolyte Kaname Kazembe et ses différents gouvernements. Na ba proche ba zati le bazo continuer ko le baka Hippolyte. Ori Mobutu. Malgré Mobutu, Aza, Togolais de père et de mère, na bona kota na ba détail kuna za les sources taza mouwe, ye moko ebi. Malgré Aza, Togolais de père et de mère, mais Mobutu, Atika Kongo Mobimba. Atika ba carré minier na biso Mobimba. Parce que plus de 100 carrés miniers vendus par Hippolyte Kaname Kazembe. Mais Mobutu, Atika Kongo na biso Mobimba. Mais si quoi ba tout mingi ba comprendre na kate je kami. Idée de guerre au Rwanda, ba koti sa biso awa na Congo. Parce que Mobutu ba bandaka ko bundisa e. Po bazalaki na plan sur la Jekami. Il fallait ba kata Jekami en mille morceaux. Rwanda na ba multinationale ba bundisa Mobutu parce que ba linga ba kata Jekami en plusieurs morceaux. Babundi va coquiter, mais ils ont réussi à le faire grâce à Hippolyte Kaname Kazembe. Ils ont réussi à découper Jekami en plusieurs morceaux. Les multinationaux. Donc, plusieurs morceaux qu'ils ont réussi. Oh, il y a Kokata Jekami Nabiso. Les multinationaux, pour la bande d'exploitation minière à Congo. Bakati Jekami en plusieurs morceaux. Pour la multinationaux, pour la bande d'exploitation minière au Congo. Ils ont réussi à le faire. Si vous voulez le roi Hippolyte Kaname Kazembe, vous, Chine à Rambo. Ah, Chine à destruction. Chine, il y a destruction. Chine à Rambo, Chine à destruction. Lui-même, moi, je l'ai dit et je le répète. Mande Founeka n'a pas monsieur Kouyika en Amaïka ou Mélia Mouza Poison. Il est venu dans notre pays, n'a pas botte à caoutchouc, n'a pas botte à moula. Mais le Congo a réussi à rendre un milliardaire qu'il est devenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Abomi ba Congolais a détruit Nyonso au lieu d'investir dans le cannabis. Mais Hippolyte a trouvé bon d'investir à Kingakati sous 15 blocs pétroliers. Merci Didier Bidimo, notre ministre des Hydrocarbures.
D'ailleurs même les sous-sols et sol et plutôt les sous-sols et le sol appartient au l'État et c'est une baboute la partie où on a ils ont à l'État pour nous exploiter bas bloc pétrolier tout le monde a régime à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va présenter plus de 27 ou 26 blocs pétroliers au lieu d'un bon cannabis au toko kote sambongo et kote na libenga à l'État boyoka 2 millions de milliards de dollars fachi béton béton. Mais bien au contraire, Hippolyte. Donc comme il y a ma cambouille à Jekamine, dès que j'ai dit que Jekamine, Babundisaka Mobutu, Naba Rwandais, Naba Amnesty Nasono, pour que je kata Jekamine en plusieurs morceaux, baka tonga plusieurs morceaux, ba pesa na ba multinationaux pour ba banda exploitation minière au Congo. Et ils ont réussi à le faire grâce à Hippolyte Kanami Kazembere. Donc, Jekamine ezalaka. Il y a biso du sous-souté. J'ai Camille. Et ça, là, il y a biso. C'est une société de droit congolais dont les capitaux sont gérés et détenus par les sociétés étrangères. J'ai Camille, il y a biso. Donc, j'ai Camille, il y a une société de droit congolais dont les capitaux sont gérés et détenus par les sociétés étrangères. Hippolyte Kanami Kazembere et na Soriano Danyora. C'est pourquoi à l'époque, au Monaco, Gilles Alinguette, IGF, a salaki enquête na Jekamine. Il y avait des révélations très graves. Jekamine produit 32 milliards de dollars, je le dis bien, 32 milliards de dollars. Mais Mbogwana et Kendagawapi. Oh, Jekamine a produit 32 milliards de dollars. Mais Mbogwana et Kendagawapi. Mbogwana et Kendaka n'a pas entreprise étrangère. Déjà, il y a 32 milliards de dollars détournés à Jekamine. Mbogwana a trouvé la révélation. Mbogwana et Jekamine, il y a une société étrangère, il y a une multinationale. Félix, il connaît un peu de traité de l'incompétent. On est en train de traiter Félix de l'incompétent. Mais moi, je vous pose la question. Félix, juste dans 3 ans, je le dis bien, juste dans 3 ans, à Pamba, budget à Mboka Nabissoua, 11 milliards de dollars. Juste dans 3 ans, budget à Mboka, 11 milliards de dollars. Mais total, Hippolyte Kanami Kazembere, que Jean-Marc Kabunda a trouvé bon de soutenir. Faut qu'il doit trouver bon de soutenir pour chasser Félix dans le pouvoir. Mais Hippolyte, pendant 18 ans, budget Nabissoua Mboka, 3 milliards de dollars. Total aboué, ma manque est allé à 4,3 milliards de dollars. Mais si j'ai quand même Yango Moko, et bien qui a produit 30 à 35 milliards de dollars, mais moi, je suis en train de faire un pays étranger grâce à Hippolyte Kanami Kazembere. Pendant que le peuple a souffert, le peuple a la misère, mais Hippolyte a été en train. Moi, je vous dis, hein, pour nous sauver Mbokao, on est en train de faire des recherches. Le problème est là, le plan est là. D'ailleurs, même je profite de l'occasion de révéler une information très capitale. Révélation très importante. Ah, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les gens sont là, Mama Dundala. Quand je dis révélation très importante, très capitale, Tobé Talisolo et Maman Dundala. Maman Dundala, Boyebi, Maman du Moustapha Ndala, colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, formé par les instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Il est le commandant du 42e bataillon de commandos des unités de réaction rapide. De FARDC. Date et lieu de naissance. Donc, à Botama, le 8 décembre 1978. Si le problème est vendu, date de décès. Parce que révélation Zobima. Date de décès à Mama Dundala, na Kombo ya Mama du Moustapha Ndala. Date de décès le 2 janvier 2014. À O. Akufaki na Nord Kivu, tué dans une embuscade à Beni, na Nord Kivu.
ma papa ba maman bouvandi bolobi ah pourquoi Abdoul azo lobi la maman Dundala a rappelé biso maman Dundala pour na nini oyo akendaki ko bunda pour na mboka oyo akufaki pour na mboka. Moi je vous informe que maman Dundala n'est pas mort. Je vous informe que le colonel Mamadou Moustapha Ndala n'est pas mort. Mamadou est toujours en vie. Maintenant, Mamadou a zawapi. Bino batu boloba que Mamadou a koufa. Est-ce que Bobona est longi à Mamadou? Bobona zoto ya Mamadou? Marie me semble que tout le monde a ta image. Papa, on va tout le monde. Mais Mamadou, est-ce que Bomona, na cercle, est-ce que Nzoto, ba tchawana? Soit disant Mamadou, est-ce que ça, Mamadou? Mamadou n'est pas mort. Moi, je vais vous relater l'histoire. Le plan a été élaboré par Paul Kagame et Hippolyte Kaname Kazembere. Mamadou a béni na Nord Kivu. Abadaki contraquait tous les rebelles. Comprenez que l'insécurité qui régnait à l'Est, c'était complicité à Hippolyte et Paul Kagame. Plan à Bango Yabouba la Congolais pour la copier, puis la multinationale. Maintenant, maman, il n'y a pas de père et de mère. Il y a quelqu'un qui a voulu. Parce qu'il y a un abisso. Il y avait des généraux, des colonels, des lieutenants. Il y a des gens qui complices dans le massacre de Katana Est. Maman, il y a un homme qui a voulu. Il y a quelqu'un qui a voulu. Et il y a un homme qui a espoir, maman, il y a un homme qui a voulu. Il y a un homme qui a voulu. Moutou a voulu déterminer. Moutou a commis danger pour maman. Et maman, quand on a traqué la rebelle, et parmi ces rebelles, on a révélé le plan. Le bien à Mamadou, insécurité, ils allaient sauter. Mais ils allaient plutôt dans le gouvernement, dans le niveau capital. Président de l'Union, Joseph Kabila, Hippolyte Kaname, Kazembe, ils allaient Rwanda. À complicité de Paul Kagame, ils allaient hôter le massacre dans l'Est. La crise qui Mamadou, tous les plans, ils allaient faire trahison aux Alaka. Paul Kagame a été informé, Hippolyte Kaname Kazemir a été informé. Et ils ont trouvé que Mamadou Ndala est devenu danger permanent pour Mabango. Comme procédé, on devrait l'éliminer. Mais, Hippolyte et Paul Kagame avaient besoin des informations que Mamadou a épuisées. C'est pour cela. Ils ont masqué l'accident, comme on avait masqué l'accident de la crash et l'avion. Il y a Katumba Mwaki. Dès qu'on masque l'accident, il y a crash et l'avion à Katumba Mwaki. Oh, le témoin a crash et saléni, mais il montait la bini, ma tata Pogno et ma célèbre Lomba comme récompense. Ma célèbre Lomba, ma tata Pogno, il y a qui Kabaliwana. Ma tata Pono a été élevé. A comment qui premier ministre n'a pas de maintenant, Mamadou, ma bête qui missile, n'a pas de bête de Nord Kivu. N'a pas de Kawana. Et Mamadou Ndala n'était pas mort. Ma moment qui Mamadou Ndala, ma tienne à en Rwanda. Comme je vous dis au moment où je vous parle, Mamadou Ndala a zali en Rwanda, na prison ya se à Mabele na Rwanda. Son chauffeur, Oyo et le roi qui t'a révélé, Banakamu, Oyo et Baki Banakamu Moussous, parce que il parlait avec Mamadou Ndala. Et il était témoin, là, Banakamu le Kaki. Depo Monaki, Bazwa qui chauffeur na Iwana, Banemiye na auditorat militaire, pour Aloba. Maintenant, Baloba qui sorti ton tiki chauffeur ou Aloba. Makambo est qu'on compliqué pas la biso pas la vérité que Mamadou n'est pas mort, mais plutôt Mamadou se retrouve en Rwanda, dans la prison à Séa Mabélé. Ils ont empoisonné les chauffeurs. Le chauffeur de Mamadou Ndala a été empoisonné pour éviter que Aloba va sécréter. Le chauffeur de Mamadou a été empoisonné pour le Baba sécréter. Et Mamadou Ndala, au moment dont je vous parle, Mamadou Ndala se retrouve en Rwanda. La prison est Séa Mabélé. Et nous demandons à notre gouvernement, nous demandons au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de père et de mère. Mamadou Ndala est toujours en vie, mais avant la prison est Rwanda, dans Séa Mabélé. Parce qu'il y a beaucoup de Nusaka.
biso to bato to omani bango ne ba infiltrer ka biso mais ma biso pe to infiltrer la bango nous avons bato na biso partout ba informa ka biso to butu moyi et maman Dundala n'est pas mort, maman Dundala se retrouve en Rwanda na se amabele na prison se amabele et nous demandons à notre gouvernement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bameka ko sala pour bazungu si la biso maman Dundala toujours en vie. Toko n'est pas Hippolyte Kanam de Kazembele, pour bientôt là nous allons chuter. Hippolyte Kanam de Kazembele, na titre na ye, de sénateur à vie, boye ba ke pression le ka ki makas. Hippolyte, a yé ba ke otika pouvoir, a yé bibi soto, il devait se protéger. De mouna ki a ba protéger, ki a da ba loi na constitution. Après, protection na yé na constitution, ke a koki ko zale interpeller na justice ite, pour na ba crime de guerre. Mais plutôt pour protéger le titre d'un sénateur en vie. Et on ne se limite pas là. Le quoi que vous avez un sénateur en vie, tu as 680 000 $. Ah, quel kimdoki. Et pour être capable de nous appuyer, le Congo est comme si il pouvait être capable de gagner des milliardaires. Mais à part qu'on y a comme si milliardaire, à comme sénateur en vie, mais qu'on pense qu'à Bakata, un salaire, on a 680 000 $, et ça pourquoi? Tandis qu'il peut que le Congo est dans la poste sociale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit non. Moi aussi, je suis président. Mais je ne resterai pas éternellement président. Je sais qu'un jour, je serai aussi sénateur en vie. Mais je ne peux pas voler l'argent du peuple congolais. Ça fait plus de 15 mois, Hippolyte Kanam de Kazembe, Razo Simba, salaire n'a été. Il y a qui sénateur en vie, peut-être qu'il y a un avantage. Plus de 15 mois à Simba en société. Bon, il m'a Hippolyte a commis collé là. Alors, on a proche. Allez, je me demande ma chère, 15 mois, je ne touche pas l'argent. 680 000 $, c'est beaucoup. Pourquoi faire chez Brokito, comme ça, pourquoi j'ai besoin de l'argent? Alors, il m'a dit, 15 mois, Hippolyte Kanam de Kazembe est impayé. Même salaire, il faut qu'on le dise. Oh, Félix! Hippolyte, à ce que c'est un laïté, on sait que Fatia Zabeto, 15 mois n'a pas avantage à ce simbaté. Bah, richesse, bah, bon, nous, c'est Hippolyte, il y a un peu de temps, n'a pas entreprise, nous, c'est un peu de. Et puis, pour votre information, plusieurs sociétés, il y a Hippolyte Kanam de Kazembele, je vous dis, plusieurs sociétés, il y a Hippolyte Kanam de Kazembele. Et comme au Kanama. Égal, vous voyez, toi, na ferme, il y a espoir. Et comme il y a difficulté, port n'a été fermé. Hippolyte a commis colline. Mais le président Tadja nous dit non. Au lieu de salaire ouana, tu rendrais toujours les plus riches. Chef de l'État, pour Kabulingwambuka. Ah, Félix. Félix a tellement dit, mais le militaire n'est pas sur Faradese. Il n'y a pas de sécurité. Pour la sécurité, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a. Mais pourquoi tu honorais Obaso Koufaranate? Le président de la République, solde militaire. Terme n'a pas bien solde militaire. Le militaire n'a pas de Koufa, parce qu'il n'a pas de V. Il a touché à combien? 30 000 francs congolais. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a su salaire, il y a la veuve de la militaire au Koufa, de 30 000 francs à 250 000 francs congolais, Fachi Béton. Nzamba pambola o Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbongo ya ba militaire ba kufa parce que eza selon ba niveau hein, eza ba militaire au général Etina c'est quoi salaire ou les selon ba niveau. De 30 000 francs congolais à 250 000 francs congolais pour la basi ya ba militaire o ba kufa. Donc ba militaire o ba kufa ba tika basi na bango ba vive. Mbongo na bango ebimaka ya 30 000 francs. Mais Félix Alobino, et comme 250 000 francs congolais, bah, comme il a touché 250 000 francs congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci beaucoup Félix. Merci. Et puis, tout ce qui est là, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas des politiciens, mais plutôt des opportunistes. Je répète à Kayango, on appelle cet exemple à Kabunjwa Kabunj, on appelle cet exemple à Franck Diongo, ou à Komi Kola Tabaveste Mounen et le rôle à Kimono, le rôle à Jidora, moi, bêtier mouvement sur Azote, maintenant vertige, vertige, salara. Ce ne sont pas des politiciens, mais des opportunistes.
Mais là, qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la promesse naé. Les Léopards de basketball de la République démocratique du Congo, vainqueur de la FROCAN du Mali il y a 3 ans, ont reçu leur véhicule promis par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bah, reçu, bah, mitouka na bango, chef de l'État pour mettre bango, ça fait plus de 3 ans. Mais si quoi, tout le monde est Lissanga Bondoki. Oyo, azana opposition. Lissanga Bondoki, azana opposition, boyo kamakamba lobi. Lissanga Bondanga lobi, boyo. Il est vrai que je suis l'opposant à Félix Tshisekedi. Mais j'ai le droit de bénéficier des véhicules promis par le chef de la délégation qui s'est rendu au palais de la nation pour présenter les trophées au niveau de la présidence de la République. J'ai appelé tous les responsables actuels du sport, mais aucun d'entre eux ne comprend pas comment mon nom ne s'y trouve pas. Pour la cause de Mituka. Ma basketteur, Mituka, chef de l'État pour Metaki Bango, pour Nande Bazoaki, trophée na Bangoana, ça fait plus de 3 ans, va récupérer, promesse à chef de l'État Kokisami. Lissanga Bondoki, ou Azali na opposition, verti Jésus à l'obino, malgré Nazali na opposition contre Félix Tshisekedi, mais Ngape Nazana posa pe Nazali pe na droit pe Yagozoape Mituka, pour Nana Kinaï ko présenter trophée wana na présidence, Botana Kindoki. Mais tu es l'opposant, hein? Mais reste dans l'opposition. Nous devons combattre après ce sujet. C'est pour cela que j'avais dit en République démocratique du Congo, nous n'avons pas des politiciens, mais plutôt des opportunistes, comme prévu Yangouana. Quand on a dit que nous n'avons pas des politiciens, mais des opportunistes, Jama Kaboun et son allié frustré Franck Diongo sollicitent l'audience à Kingakati pour être reçu par Hippolyte Kaname Kazemeri. Vous voyez? Il y a dit Félix Azay est compétent. Maintenant, Hippolyte Kaname Kazemeri, juste dans 18 ans, a réalisé 3 milliards de dollars. Mais celui que tu traites être incompétent, dans 3 ans, 11 milliards de dollars. Entre Hippolyte et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est incompétent? Celui qui a réalisé 11 milliards dans 3 ans, ou bien celui qui a réalisé 3 milliards dans 18 ans? Tout met tout la question. Et puis, Jama Kaboum dit ceci. À combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'à la dernière énergie. Mais moi, je rappelle Jama Kaboum. Parce que tu as dit que notre justice est instrumentalisée. Et d'ailleurs, même, tu feras tout pour combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'à la dernière énergie. Mais ce n'est pas le même Jama Kaboum qui nous a dit que celui qui ne veut combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas encore né. Il y a des gens qui ont combattu Félix dans la botanité. C'est que Yopé, Ozali Kosoto, pour quand même être son adversaire, dans le botanité, mais ils ont plutôt l'iligné dans le Yopam. Et puis, l'iligné, comme on dit, ça m'a dit, tu es comme ce que parfois tu donnes au peuple congolais. Bah, les collabos sont en or, qui vous, bah, qui vous sient. Bouté, Bobé, ni partout. Bon, ça, là, qui marche, mais on dit, de pas sans condition de la MONUSCO. Départ sans condition de la MONUSCO. Oh, la MONUSCO a trouvé bon de tirer à bout portant la bateau basali pour manifester pacifiquement. Et la MONUSCO est allée en Ouganda pour recruter les jeunes Ougandais pour la cocotte Sabangona Katia MONUSCO à Bouma Congolais. Pepe Bakoufi, plus de 26, plus de 60 blessés. Et le président. La diplomatie n'a pas. Les experts des Nations Unies ont dit ceci. Nous avons des preuves que l'armée rwandaise soutient les M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et puis l'armée rwandaise a aidé les M23 pour la base de contrôle à Bunananga. Les experts des Nations Unies, Babi Bazan a preuve. Maintenant, sur les Obama, après. Instruction à chef de l'État, ben on a les porte-parole des Nations Unies à MONUSCO, la République démocratique du Congo. Révélation, on a eu ce Yobima. Mais, est-ce que tu as sauté? D'être au Canada qui est militaire à Rwanda, au Bazalé, à Katia M23, tu présentes qui? Mais, le même MONUSCO a dit ceci. Hein? La MONUSCO n'a pas de preuve que les M23 soutient, et plutôt l'armée rwandaise soutient les M23. Et la même MONUSCO s'est déclarée d'être incompétent pour combattre les M23. Ils n'ont pas cette capacité de combattre les M23. Peu importe ce qu'a dit les experts des Nations Unies que les M23 sont soutenus par l'armée rwandaise pour tuer les peuples congolais. Et
pour créer la désolation. Mais Bissou, peu importe la MONUSCO a avoué qu'il y a ça la preuve. Mais nous, le peuple congolais, nous demandons à la MONUSCO de dégager dans ma belle et dans Bissou. Pourquoi je veux dire cette hypocrisie? Nous devons changer le système de gère. Nous demandons de la MONUSCO à dégager dans ma belle et dans Bissou. À table, oui. Et les experts des Nations Unies ont des preuves que l'armée rwandaise soutient les M23 pour créer des orations dans l'Est. Et ils vont aider à récupérer Bungana. La MONUSCO a avoué, mais nous demandons le départ sans condition de la MONUSCO parce que la MONUSCO a un danger permanent dans le cannabis. Après, tout le monde dit porte-parole au gouvernement rwandais. Na Congo, il y a Yolande Makolo. Quand la Rwandaise a dit que le Congolais est Yolande Makolo. Alors, Bibi, est-il que le rapport des experts des Nations Unies qui accable les Rwandais dans l'Est de la République démocratique du Congo est une distraction? Tout cela, c'est parce que les Congolais ont marché pour le départ de la MONUSCO. C'est pour cela que la MONUSCO sont en train de nous accuser. Et ça, je n'ai pas vous jouez la comédie. Tout le monde MONUSCO Kende. Les MONUSCO ont mis danger pour Nabisso. Pendant qu'on parle de plein à MONUSCO, hein? Rwanda, Uganda, MONUSCO, Nena Lobaka, MONUSCO est armée rwando-ougandaise onisienne. Bah, ça, la clé qui n'a pas besoin. Même le commandant de la MONUSCO a kenda kana ya na niveau ya Kigali kuna pour na couper sa ba plan ko trahir armée na biso. Bon mona ka même na Nord Kivu quand les FARDC étaient attaqués par les rebelles, le commandant de la MONUSCO a désorienté la MONUSCO pour na ba ko ka ko aider FARDC. Nous demandons le départ sans condition de la MONUSCO. Franck Diongo alobi bo ya révéler ba plan na bango. Franck Diongo s'oppose au départ de la MONUSCO avant les élections. Franck Diongo s'oppose au départ de la MONUSCO avant les élections. Tommy Tuna. Bande Colabus a couvert le roi Mayebo grâce à la complicité à MONUSCO dans la N23. Maintenant, Franck Diongo dit ceci. MONUSCO, bon banabino. Bon manabango la nyamawa, bon beta bangota satabi bango soba koufa la bango. Mais bon kenete bo zalaka kawa. Pour bon aider bisoto bengana Félix na pouvoir. Franck Diongo sait que Franck Diongo a dit. Donc, les Congolais vont faire la marche pacifique, les Congolais vont faire la pour Franck Diongo ne représente rien. Mais Franck Diongo, il y a un peu de temps à MONUSCO à Tikala. Il y a un peu de temps à faire MONUSCO à Tikala. Pour que Félix ait le pouvoir. Et puis Franck Diongo a dit la MONUSCO doit rester au pays pour voir comment le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va perdre les élections en 2023. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans un témoin. Alors, Franck Diongo demande que la MONUSCO soit le témoin dans quatre élections à la République démocratique du Congo. Plan à Bangou, c'est la cabale, il n'a pas de MONUSCO, on comprend. C'est pour cela, tant que le peuple va marcher, qui va m'accompagner, qui n'a pas de MONUSCO. Mais ça, parmi les cinq politiciens en République démocratique du Congo, vous commis l'être. Il y a une Nation Unie qui va sanctionner le Congo pour que je ne sois pas là. Mais tant que le Baba sanctionne le Congo pour que je ne sois pas là, il va dans le bâtiment de MONUSCO. Si tant que MONUSCO est le peuple congolais, le Congolais va être là. MONUSCO va être sanctionné, mais plutôt va sanctionner le Congolais. Va sanctionner le Congo. Mais il va être là. Peuple congolais. Vous comprenez les bandes qui sont tous là. Et nous demandons le départ sans condition de la MONUSCO avant que. Bamakambo continue toujours à s'empirer. Merci beaucoup na balani na biso partout dans le monde. Na moni déjà na komi déjà kochité. Ah ouais. Je félicite le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Grâce à la gratuité de l'enseignement, accueilli qu'on construit na niveau ya Kasai Central 26 écoles na cadre ya projet à 100 jours. 26 écoles construites na Kasai Central pour na ko permettre ba mopé ba bénéficier na haute bengi grâce présidentielle. Merci beaucoup na moko Antombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toko soutenir yo tisuka. Tozana o tisuka. Donc Jean-Marc Kaboun malgré azali ko tenir tête na justice, la justice élève une nation, ni né au-dessus de la loi. Jean-Marc Kaboun ba ko longola ba imité parlementaire na yo tu seras jugé pour diffamation et outrage au chef de l'État, cellule na yo na prison centrale ya Makala. Oko kangama na makambu na yo ya buzobo azali ko sala wana. Nous sommes plutôt, je disais avant, tout soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que Bolanda qui papa Mboso Akorja et Bango Alobi. Bino Bozo Senga Félix, bilan naye. Est-ce que Basenga Kamutu bilan na katikati ya mandat ou bien Basenga Kamutu bilan na fin ya mandat?
bino bozo senga bina bo vanda bokanga munoko me boko mona na fe ya manda Félix akoro ba bila na yena munoko te me boko mona na vidéo vous allez voir des images ce que Félix a réussi à réaliser pendant au cours de son mandat oyo 18 etikala ko salaté mais Félix a sali ya ko leka 18 ans plusieurs makamba sali ko leka 18 ans boko mona ngo bokanga munoko papa ambo so a dit encore ceci topé sa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo second mandat pour yé toyebi tata na yé toyebi mama na yé ça veut dire beaucoup ba opposant au bazoganga wane belé bazala ba nationalité douteuse ba o bazo chaba makele ya motang au chef de l'état après ça qui 80 plutôt ba professeur ya université inikin 80 véhicules tout terrain 4x4 Bolanda qui professeur a témoigné à Tatoli Monen à Nolobi. Comment attend-moi Joseph Kasavu, Mobutu, en partant par Hippolyte Kanambi Kazembere, nous les professeurs, on était abandonnés, négligés, sabotés. Nous avons fait beaucoup, nous avons travaillé pour notre nation, pour notre pays, mais on a été abandonnés. Mais, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nationaliste, fils du pays, nous a honorés. Le professeur a dit plus de 4 fois, fils du pays, répété plus de 4 fois. Mboka peut changer ici, je suis à Mboka. Félix a reconstruit Mboka, les poissons de Mboka sont reconstruits. Alors nous devons le soutenir jusqu'à la dernière énergie. 2023, nous serons toujours derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Nabala Nabiso, partout dans le monde. Merci. Na pesimbote na grand caméraman Aris grand caméraman oya sali ke bozwa ba image ya kitoko mbote na ngandu la baronne motema ya Jésus-Christ na États-Unis d'Amérique sans oublier Bing Xing na Londres monoko ya Moïse na pesimbote na vie na biso God of War tubala na États-Unis d'Amérique Mamadou Polondo le grand boxeur en Allemagne na Roger Luma Molobeli ya Fachi na pesibino nyoso mbote sans oublier notre DG Okitol na benga kae Okitox Okitox na Paris na PCO Mbote. Merci beaucoup pour la balandina biso ba oba za toujours na poso contacter ngai pour na conseil makampe ya Rolobela numéro na nga na répéter plus 243 89 60 77 556 plus 243 89 60 77 556 je vous remercie tout le monde amo koloyalendi.